numéro 5, Moussengue. Voilà Chanda, en position d'ailier gauche. Chanda, Lobilo n'est pas loin. Et cette tête. Et but! But de Kaouchi. Sur un mauvais dégagement de la défense zaïroise, Kaouchi a récupéré la balle et, comme à la parade, a marqué le premier but pour la Zambie. Donc, à la 41e minute de jeu, la Zambie prend l'avantage par un but à zéro. À ce centre de Sinangwe était dévié par un défenseur zaïrois qui a fait une chandelle et un autre défenseur a mal renvoyé la balle et Kaouchi très tranquillement a trompé Kazadi. Mana, intervenez, Kakoko, Mana, Ndaye, Ndaye, très bien lobé. Kakoko a laissé sortir le ballon. Mbasso va pouvoir faire la remise en jeu. Sur son capitaine Makwasa, directement sur un Zaïrois qui contrôle mal le ballon. Petite feinte de Chanda, victime d'un coup franc. Sengoy qui a commis la faute sur Chanda. Ah, le Zaïre, s'il veut égaliser, il faudrait qu'il accélère le rythme. Centre sur Kipongé. Ballon récupéré par Mana. Ndaye. Et finalement, Moussengue dégage sur Ndoye, puis Kakoko. Kidumu. Kipongé. Et sans doute tir de Kipongé. Non. Bon, finesse. Égalisation donc par le Zaïre, par Ndaye. Ndaye qui marque donc son sixième but dans ce tournoi. Là, j'ai l'impression que la défense zambienne est un peu restée figée sur cette action. Il y avait deux joueurs. Je ne comprends pas très bien là sur la touche. Je pense que le juge de touche avait levé son drapeau. Mais le but est malgré tout. Offerte aux Zaïrois. Alors qu'il reste à peu près 2 minutes à jouer, 3 joueurs sont là pour tirer ce coup franc. Le mur Zaïrois se forme. Et but! But! But pour le Zaïre! But, je pense, de Ndaye! Sur la touche, les joueurs zaïrois se précipitent sur Ndaye. Ah, vraiment, je n'y croyais plus. Ndaye vient de marquer le but vainqueur, je pense, à 2 minutes de la fin donc, de cette rencontre. Donc, à la 118e minute, Ndaye, sur coup franc, a trompé le gardien Mwapé. Allez-y, capitaine! Attaquez-le!
Chama. Une des dernières attaques de cette partie, menée par l'arrière Membasso. Stevenson tire sans conviction. Le ballon dans les pieds de Sinyangwe. Sinyangwe qui fait attaque. Ah, victime d'un croche-pied de la part de Mwepu. Fantastique ce coup franc tiré par Ndai. Je pense qu'à Kinshasa, on a dû sauter de joie. Coup franc. Dernière chance pour l'équipe de Zambie. Ah, peut-être égalisation. Fantastique à la dernière minute. Il restait 10 secondes et la Zambie égalise. Fantastique. Donc, les deux équipes vont se terminer sur le score de 2 buts partout. Ça me rappelle un peu le match Italie-Allemagne lors de la dernière Coupe du Monde. Fantastique ces prolongations. Je ne sais pas qui a égalisé pour la Zambie. Le ballon dans les bras de Mwapé. Mais je pense que l'arbitre va siffler le coup de sifflet final. Ah, cette fin de match formidable.